Bonjour à tous. Première vidéo de deux chaînes YouTube, une pour mes sixièmes, une pour mes quatrièmes. Alors, on sait qu'on est parti maintenant pour un marathon et pas du tout pour un sprint de 15 jours. Donc, je change de méthode de communication avec vous. Le but n'est pas de multiplier les canaux d'information. Je sais que c'est difficile, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans ma vidéo. Le but est de maintenir un lien régulier avec vous. Donc, je vais poster des vidéos les lundis, mardis, jeudi, vendredi, un petit peu comme les cours que nous aurions eus. Donc, la première chose, abonnez-vous à la chaîne, 6e pour les 6e, 4e pour les 4e. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. C'est ça qui va vous faire gagner du temps, puisqu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez être informé exactement comme si on était en classe. Et le cas échéant, ensuite, vous irez voir dans Pronote les devoirs que je poste, mais au moins, vous n'aurez plus à vous connecter à Pronote ou à l'ENT. Ça arrivera directement en notification, par exemple, dans votre téléphone. Je vous incite à abonner vos parents aussi qui pourront mieux vous suivre. De toute façon, ils auront le lien dans le NT dans leur boîte. Et puis, partagez le lien autant que vous voulez à des cousins-cousines qui n'ont pas de cours ou peu importe. Voilà. J'ai fait le réglage qu'il faut normalement dans la chaîne. Vous ne devriez pas avoir de publicité. Bien entendu, c'est pas une chaîne payante. Donc, je n'ai jamais fait ça. Je vais tâtonner, je vais bafouiller. J'ai pas l'intention de me réenregistrer 50 fois. Donc, voilà, vous allez être, je pense, très indulgent avec moi. Donc, nos différentes petites choses à dire. Dans ces vidéos, vous allez pouvoir me laisser des commentaires à la fin. Comme ça, je vais voir tout ce qui ne va pas. Par exemple, si je parle pas assez fort, si vous me voyez trop près ou trop loin ou j'en sais rien. La plupart du temps, d'ailleurs, vous ne me verrez pas parce que vous allez voir les cours que je vais commenter. Voilà, et donc, comme d'habitude, tous ces cours-là seront dans le Drive et je vais continuer à mettre le lien Drive un petit peu partout. À propos de Drive, j'ai rangé les exercices corrigés dans un répertoire, un sous-répertoire, ils sont toujours dans les exercices, mais j'ai créé quelque chose qui contient tout ce qu'on a fait jusque-là, parce qu'avec les quatrièmes, il y en avait déjà 130 et quelques des exercices, donc je pense que ça devenait trop gros, donc vous inquiétez pas, ils n'ont pas disparu, je les ai rangés, vous allez les retrouver facilement, mais ceux de la semaine prochaine au moins vont apparaître plus clairement. Alors, je vais continuer à vous donner le travail pour la semaine sur Pronote, mais je vais faire ces vidéos, bien sûr, ce que je disais, pour que ce soit notre lien privilégié. Donc, de temps en temps, peut-être que les vidéos ne seront pas exactement calées sur ce que j'avais prévu que nous ferions. Je vais aussi essayer de m'adapter en fonction de vos commentaires, en reposter une pour réexpliquer tel point, ou voilà. Ensuite, je voudrais insister sur le fait que, pour ceux qui sont stressés, je pense quand même qu'il y en a parmi vous, il faut se détendre, hein. Moi aussi d'ailleurs, je me détends. On est vraiment parti pour une longue période, donc si on rate des petites choses, c'est pas grave, vous êtes encore au collège, donc tout va bien, on refera les exercices, on refera des choses les années prochaines, donc pas de soucis. Par contre, vos programmes de littérature sont très importants parce que ça, vous le referez pas l'année d'après. En sixième, l'Antiquité, en cinquième, ce sera le Moyen-Âge, donc, et idem pour mes quatrièmes. Donc là, on mettra l'accent là-dessus, tant mieux, c'est plutôt plus sympa que la grammaire. Donc, on se détend, et puis sinon, donc, je voulais aussi vous parler un peu de ma vie privée, ce qui est en principe pas mon habitude. Il faut aussi que vous sachiez que je dois faire travailler trois enfants à la maison, dont un en classe primaire, c'est très compliqué pour moi. Je suis pas mal accaparée quand même, ce qui fait que je vais essayer de continuer à progresser dans mon organisation personnelle pour être de plus en plus disponible avec vous. Ça expliquera pourquoi je ne vais pas vous demander de m'arroser des rédactions pour l'instant, parce que je ne suis tout simplement pas en mesure de vous corriger. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, écoutez, j'espère que le concept de la chaîne vous plaît, donc dites-le moi, et puis surtout abonnez-vous, je répète, abonnez vos parents, j'allais dire vos grands-parents, la famille, non pas forcément, mais tous ceux dont vous pensez qu'ils peuvent avoir besoin de cours, et donc dans la deuxième vidéo qui arrive juste après, je vous montre à quel moment du programme on en est, pour les sixièmes, pour les quatrièmes. Pour les quatrièmes, j'ai fait un lapsus, je vous ai parlé d'un texte sur la mort de Victor Hugo, c'est sur la mort de Jean Valjean évidemment. Allez, bon courage à tous, profitez de votre week-end et puis à très bientôt !